Au Tchad, le dialogue national avec l'opposition et la rébellion qui devait permettre la tenue d'élections dans les 18 mois après la mort d'Idriss Déby Itno, c'est-à-dire mi-février, a été repoussé jusqu'en mai. L'annonce a été faite par le Premier ministre. Toutes les dispositions pourraient être prises pour que, à l'issue du pré-dialogue qui pourrait durer 2 semaines à Doha, à partir du 10 mars, le CTS se mettra à préparer son rapport, lequel rapport devra intégrer le rapport général du comité d'organisation du dialogue national, inclusif et souverain, lorsque le gouvernement recevra les conclusions et le rapport général d'organisation du dialogue. Le dialogue pourra être convoqué donc le 10 mai 2022. Ce dialogue national doit permettre de favoriser des élections en vue de transférer le pouvoir à un gouvernement civil. Le pays est actuellement dirigé par un conseil militaire de transition avec à sa tête le jeune général Mahamat Idriss Déby Itno, fils de l'ancien président. Ce report du dialogue risque donc de prolonger le délai de transition, ce qui inquiète l'opposition qui redoute une tentative de perpétuer le pouvoir des militaires.